gagner. Donc ouais non, ça a l'air assez taille. Après ça remonte quand même assez loin. Ouais. Ils sont vraiment beaucoup affrontés. Hein. Ouais. Alors avant, c'était clairement Disco qui gagnait, maintenant c'est beaucoup plus even. Ouais, En tout cas, on si on est. regarde les dernières rondes. Ouais. En tout cas, on est parti sur du Sephiroth contre Pete. Enfin Dark. Les deux persos qu'on va essayer d'aller faire. Les deux persos qui ont du coup leur vie de loin et qui vont pouvoir un peu space, même si c'est avantage porté à Sephiroth quand même, hein, qui est une des meilleures portées du jeu. Faut pas l'oublier. Bah du coup il n'y a plus de pied, je recasse tout seul. Je fais ça depuis tout à l'heure. Hein. Ouais mais c'est toi qui me vole en fait à chaque fois. Vidéo là qui vole tous mes co-casters à chaque fois. On le retrouve à casque tout seul à chaque fois. Alors que du coup bah, j'ai pas fait attention à la game. Hein. C'est la game est vraiment une bonne hein. avantage pourtant à Disco Dog hein, mais voilà pour arriver à trouver la stock avec qui. C'est compliqué ça. Là il a réussi à gratter les pourcents maintenant c'est voilà le back air qui est mis dans une situation. Les flèches qui vont être une pression mais qui sont évitées par Motoshi et Matrice. Hein. Motoshi le ninja hein. Vraiment. Il évite tout en plus il a le style ninja, il arrive à toucher le back air et voilà, il avait le back air qui va réussir à tuer Dark Pit. Dark Pit qui met une grosse pression d'Edgard hein, avec ses flèches. Mais le père qui connecte pas, du coup bah, il va se faire river ça dessus. C'est vraiment dommage hein, parfois les pertes qui disconnectent. La Basco tue toujours pas, par exemple la flèche, elle va réussir à tuer. Pas plus gros flèche, hein, c'est un classique. Vous le verrez souvent contre des kits qui sont souvent graves, envoyés au stage et vous mettre une flèche. Et c'est. Là ça marche quand même, du coup les deux lords sont re-even. Hein. Ça s'échange vraiment coup pour coup. Voici le nerf. On tente de bien la situation de l'extra, voilà. On arrive à s'en sortir. Motoji qui est corner, qui évite la voiture, l'attitude de. De Pete qui va réussir à mettre sa phase double paire, mais voilà, ça met vraiment pas. Ça met des pourcents, mais c'est Pete quoi. Les pourcents qui sont trouvés 44%, c'est vraiment une bonne conversion ça. Le crab back air, ça envoie vraiment assez loin, ça me permet d'envoyer dans une bonne situation. En plus, ça met des pourcents. Mais voilà, il est hitbox de ses Pete qui reverse souvent une situation. Donc, une grosse pression et il arrive à bait. Il a bait le contre et du coup a réussi à le punir après avec son père, c'est vraiment bien joué de sa part, il arrive à prendre cette deuxième stock en première, mais il se suicide. Du coup bah la stock pour les deux joueurs, 0% balle au centre. Et c'est vraiment là cette série. Alors que Dark Pit qui va réussir à trouver sa taxe, hein, 52%. La taxe Pit. Là il arrive avec la pression offstage, 65%, on a vraiment mis une bonne phase. On va essayer de concrétiser avec un smash, mais il va pas passer. Il met vraiment une grosse pression. Hein. Il a réussi à retrouver un nerf, il retrouve nerf. Motoji qui retrouve plus le terrain, hein, vraiment. Et il arrive à trouver son nerf, le grave. Le nerf, voilà, il arrive à trouver sa petite phase. Il a tenté la dinguerie, hein. Mais il se fait river dessus, c'est vraiment dommage. Il aurait pu être dessus. Du coup le coin est Motori a fait vraiment un gros commit. Ah, ça aurait pu prendre la stock, hein, ça aurait pu douiller. Il y a 1-0 pour Disco Dog. Du coup, Disco Dog qui a puni le commit de Motori hein, avec le F-Smash qui a pris la stock sur ses pieds. Hein, vraiment trop léger ce perso. Bah, là, ça tue, je pense, sur pas mal de persos. Hein. Le lab a vraiment pas mal de lag. Hein. Du coup, voici les deux joueurs commencent à mettre leur pression. Il a Disco Dog a réussi à trouver le tilt, mais a trouvé sa face derrière. Et du coup, Motoji, lui, qui met ses conversions à la upper mer. On le voit tout le temps. Il y a Motoji qui finit, c'est les remontées de Disco Dog. Finalement, il a réussi à arriver en situation avec un air, mais. Enfin, Motoji qui continue à prolonger son avantage, à mettre ses petites bobs. Et je garde la reco de Pete qui revient de très loin, mais qui est très facile à finir. Alors, on va remettre n'importe quelle hitbox et ça gagne.
Faut aller chercher. Voilà, là, on retourne en fait notre pas, les deux joueurs se cherchent vraiment à mettre des hitbox. Mode logique qui arrive à trouver son air et du coup bah gagner l'interaction. Parti du coup. Là le compte qui est trouvé, mais du coup bah comme c'est un coup de pit, bah ça renvoie pas loin du tout. Hein. il a fallu qu'il met souvent le donner qui va réussir à tuer. Il a 77% motorique, du coup bah, il est bien. Il va falloir réussir à tuer pour Disco Dog. Alors qu'il trouve ce backer, up throw, up air, frère. J'ai 71% trouvé. C'est vraiment. Il a vraiment réussi à trouver une belle phase, mais il va prendre le donner, il va reverse la situation. Mais son frère, lui, bah il est reverse aussi. Hein. Il faut vraiment respecter cette option. Et là, bah, il s'est encore le sauver d'une situation bah, vraiment déplaisante. Hein. Le père qui fait tout. Voilà, le père qui fait la pression. Qui reverse. Qui lèche trap. Et le grab, le seul qu'on ait des trucs de ces filles là, il grab range négative qui va pas passer et Moto G qui se suicide encore une fois. Mais il va réussir à mettre le backer. Le backer et du coup bah, va avoir quand même sa stock de lead. Le monde aurait pu en avoir deux hein, si on s'était pas suicidé. Mais après ça a permis de prendre la stock, vous pouvez là en stabilité. Hein. C'est du mind game hein. Vous n'êtes pas prêts. Là, les passes qu'ils ont trouvées de chacun des joueurs, ils échangent des coups, hein. Vraiment les deux temps. Hein. Vraiment, qui prend l'un, mais une passe, l'autre il va mettre la même passe et ils vont. Chaque fois, ils ont quasiment le même pourcent. C'est... Je vais reprendre game, c'était comme ça, sauf que là, bah, MotoG, il a sa stop d'avance, du coup, bah, cette situation, bah, ça l'arrange. Hein. Que d'autres qui va devoir tenter de plus gros commits pour essayer de. Bah de comac peut-être. Hein. Là on est déjà à 10% du côté du coup. Regarde, ils sont vraiment pas partis. MotoG donne encore un B. Il a envie de mettre une peu avec son B. Et le point qui tourne de là. C'est cette inbox plus que d'autre chose. Hein. Ah, même contre. Hein. C'est vraiment le contre de ce type peut être con. Même Pocket, enfin villageois, c'est un pro jour. Alors que le up smash est trouvé avec toute la rage, bah, on arrive à tuer. Et du coup, bah, on est à. Bah, on a une sauve partout, mais les pourcents, hein, 138 contre. 136 contre 13. 13,8, hein, ça va pas changer grand chose. Hein. Ah là, Disco Dog va devoir vraiment trouver une belle phase hein, pour prendre la stock, sachant que bah, MotoG il veut vraiment prendre son game, même ses backers. Il veut tuer et partir sur la game 2. La game 3 pardon. Même Tom lui qui joue patient qui essaie vraiment d'essayer de revenir, hein, de y aller petit à petit, rater les pourcents et essayer de trouver l'option kill quand il pourra. Mais là le but c'est de rester safe et tenter de prendre la stock hein, parce que les gros premiers et bah, ils seront punis. Un backer et c'est terminé. Parce que là, je pense que c'est pas bien venir, mais. Hélas. Il a pris le backer et du coup, bah, un partout. La game sera d'autant plus serrée du coup. Au moins des plus moins du binaire, ouais. Ah oui, mais c'est bon si tu veux tuer, mais si tu veux tuer, tu peux pas. Un partout, la game 3. La game 3 qui va se lancer du coup. J'ai pas vu la main, du coup, ça repart sur FBF. Vraiment, on a sympathie. Alors que là, on rate le grab, du coup, je te rappelle, c'est une belle phase, mais moi. Il arrive à récupérer le reste et met ses pourcents à 56% déjà. Il retente la moto, la voiture, il bip, mais cette fin il arrive à vraiment éviter ses comiques. Et du coup bah. Ouh la situation. Après avoir fait une belle phase hein, Disco Dog, c'est très légère, c'est du coup c'est
T'as un motoride bah, de mettre 7%, déjà 45% de trouver. Mais le reverse d'un tilt, la Dolph qui est lui est fini avec un autre smash. Mais moi ça tue pas, hein, parce que... c'est pas. C'est pique quoi. C'est pas des affreux, mais c'est pas un shake, mais ça reste. Voilà. Du coup, moto G qui... On a tenté le setup et la figure qui a trouvé la moto. Et du coup, ça prend cette stock sur le côté. C'est le montage des artistes en fait sur le côté. Et il va reprendre la deuxième et ça a failli tuer. Ça a failli tuer et ça tue. Le coup, il avait pas de souris, il avait pas l'aile. Et du coup, là, Discotop qui a vraiment réussi à prendre cette stock très très tôt. Et du coup, il fait mention en fait. Il me compte parfois, je dis des bêtises souvent d'ailleurs. Mais du coup, MotoG, lui, bah du coup, c'est complètement l'inverse de la game d'avant. MotoG avait réussi à trouver un lead dès le début. Là, c'est Discotop, lui, qui a réussi à trouver son lead et qui met vraiment une grosse pression sur MotoG. Il va devoir, lui, il va devoir prendre, hein, il y a encore 3 trucs à prendre alors que. Parce que là, lui, bah, il n'en prend qu'une et il continue à mettre les pourcents et il tente les rigs de roll. Là, il a aucun comic à faire. Parce que là, il prend quand même le bâtir, hein, le gros slog de ses cuisses. Hein. Je suis tout de suite là. Mais... Et là, c'est qui peut revenir. Mais... Le facteur de combat, on connaît. Alors, regardez la gamme d'avant, c'était pas beau du tout. Hein. En fait, là il y a quand même des coffres complètes. Je te dis, j'arrive pas à trouver la wind neutrale alors que ouh, ça a failli spec, ça aurait pu. Alors que MotoG là il prend enfin sa phase, 45%. Et le spike, incroyable, il a réussi à ramener les stocks à even pour son. Pas mal. Ça m'a quand même mal, 94% à monter l'aile. L'aile est partie. Bref, Fetty peut le faire, hein. Il a même un design pour ça. Enfin, c'est pas Lucario, mais il a un outil pour ça, mais du coup là, les deux joueurs sont essayés de faire le moins de limites possible et essayer de toucher l'adversaire, le backer qui est trouvé, là, il va pouvoir mettre une grande pression. Enfin, c'est fait. Le père, ça pose là, mais du coup, ça permet à Discord de voir sa situation et de trouver lui, soit le père à lui, qui va tuer et qui permet de prendre le game. Bien joué, c'est lui. C'est dehors. Game 4. Peut-être la dernière game de MotoG. Retour sur SBM, du coup ils apprécient la map. C'est parti, du coup on va voir ce que ça donne sur cette partie, le nerf qui est directement retrouvé. Mais Nicolas on n'arrive pas à trouver sa phase. Seulement 16% de raté, mais voilà le fer, il rate son gramme. Ça continue, hein, le backer qui est tech, hein. On sait pas voir avec lui. Et voilà, c'est parti, il met les petites box, le backer, le fer. On évite le back throw backer. Mais on se pousse le grave du coup. 50%. Et le grave qui touche pas, hein. Les petits bras de Pete, hein, il a vraiment collé à son corps. Hein. D'un petit T-Rex. C'est un peu comme ses filles, hein, ils savent pas tendre le bras les deux. Et voilà la situation de l'Eltrap qui permet de gratter quelques pourcents, mais le reverse qui va être fait. Et une situation neutrale à peu près là. Le nerf qui va être fait, les deux cherchent le nerf, hein, c'est option neutrale qui nous apprécie, hein, c'est tout en temps. Un qui claque des doigts, l'autre qui fait tourner, ça te pique. TDP et le backer s'est trouvé, ça va te mettre en corner. C'est vraiment even pour le coup là. Le backer qui met une pression, le dentil qui touche. Et là le CV qui bait vraiment son adversaire dans tous les sens. Et là la F-throw de Pete tourne vraiment assez loin. Et le nerf va réussir à donner un peu de répit à MotoG, mais c'est pas fini. Alors que le compte il va tuer, voilà le compte. C'est vraiment le café, hein, le backer qui a une bonne éjection, mais. Voilà, le backer qui l'avait tué, bah tue son adversaire avant. Le backer qui l'a tué permet de tuer après, il se rachète en gros. Le backer qui se rachète et du coup bah, permet de trouver la phase à 40%.
le ledge trap qui bah, l'application de ledge trap qui va quand même le ledge cancel de qui permet de, bah, de faire ses options et de ne pas se retenir. C'est vraiment très fort, c'est encore parce que normalement il y a vraiment beaucoup de lag ce coup. Et là du coup bah ça tu attends pas, tu te dis bah je vais pouvoir finir ça mais tu peux pas. C'est... ça permet de bah, de pas se retenir et de bait un peu ton adversaire. C'est vraiment contre-intuitif. Là la situation de notre qui est prêt à trouver, on balance des petits TP, on met ses hitbox. Et là le nerf qui est trouvé sur le shield et là il est... Ah c'est vraiment dommage qu'il a EV dans le vide, il allait faire... Il allait... Dans le vide, il a encore de pit, hein. Si tu l'as... Si tu mets cette enlevé de pit sur le terrain, bah t'es un peu dans la merde, hein, parce que du coup, bah tu peux pas le cancel. Et il dure assez longtemps, il a pas de box, il a rien et il a beaucoup de lag. Soit tu vas au-dessus, soit tu meurs tout seul. C'est ce qui s'est passé. Mais là, le Discodog, lui, qui veut quand même prendre la stock, hein, il veut pas se laisser faire avec cet SD. Il a mis ses pieds à 100%, il trouve le smash, ça tue pas. Il n'y a pas de rage. Il n'y a pas de rage, et du coup, c'est lui qui... C'est lui qui... qui impose son jeu, hein, qui met ses box, qui empêche le pin d'approcher. Oh, c'est super, il tente un dash attack, c'est une commune finie par le faire, qui peut toujours pas. Hein. Et là, un bat trop. Il tente de reverse le avec le B1. La Dolph, le B River, c'est une certaine situation, c'est un très très beau début top là. Ça lui a donné vraiment un angle bizarre. Vraiment un angle bizarre et de ce qui a permis à celui qui est du Codog là qui prend la stock. Et du coup bah MotoGP lui il a pris il a raté que 33% sur cette stock et Pit bah il peut faire monter les pourcents assez vite. Là il a gagné 25% et là il trouve la boule magique. Il va mettre une pression mais là c'est Discodog est pas mal neutral là dessus et du coup bah voilà il gagne interaction et reprend le lead de 2% là si tu es là il a l'avantage traditionnel vu que ça va être dur de trouver voilà puis il permet il arrive à sa situation il a trouvé le drame il a trouvé sa petite phase mais toujours derrière et là il là on allait mais on est à 10%. Je sais pas trop, je mets en 84% mais pas trop. C'est juste il se trouve qu'il retombe de mettre la pression sur ce flash guard, le dump qui est trouvé, mais qui envoie vers le haut, c'est tout watch, en fait, pour le coup il envoie vers le haut. Ouais. Le strap c'est fort mais la situation après tu me touches mais t'as pas un truc pour le reward quoi. Alors que là du coup on s'est écrasé avec le side dish sur le shield, ça n'a pas été fini. Le backer qui est trouvé. Là Motovic tend vraiment du pression adversaire, il y a vraiment une grosse pression qui est up des sauts de sage et le backer qui est trouvé dans le le up skill qui est trouvé et du coup qui va permettre de prendre la stock et donc bah, bien étonné. La game 5, on va toujours partir sur un BF, hein. Peut-être meilleur semi tous les BF. Pour les BF, on va avoir le mec de Motoshi. Non, c'est pire, il va rester sur des pieds. Il va rester sur des pieds. Du coup, on aura 5ème game, hein. Pete, c'est pire. Toujours sur FBM, c'est un peu la même game en fait. C'est parti, on trouve nerf, fer, oh là là, fer. J'ai attendu 3% de trouver, c'est une belle phase. Hein. Et voilà, il trouve sa phase aussi et bah, il échange les pourcents qu'il a pris hein, et même permet de trouver mieux. Il tente d'aller chercher avec un EB, mais il trouve pas, du coup, bah, il se rigueur et il prend la sauce. Hein. Ah, déjà 80%. On a l'aide, on a un peu de mobilité, mais la situation est stable. On continue, hein. Le B qui est pas vivant, ça se fait. Heureusement, avec le B. Faut respecter, hein, parce que soit tu prends le fort et le fort, ça se fait trop mal. Et même le petit, en vrai, il est pas mal. Là, la situation neutrale, et le joueur touche le fer de ses pieds, on a ses pieds qui perd. Mais qui parvient pas grave, hein. Il est capable de tomber le bras. Hein, et le up smash qui connecte pas. Les multi qui bah, ça marche très bien dans le jeu. Hein. Demandez aux joueurs de Falco, ils adorent leur perso. Il arrive de roll que tu mais le CP ne mord pas à 147%, mais il prend le up smash, il est toujours fort. Il est pas mort, il est à 156%, il est la plus forte match. Ça reste.
Non, et MotoGP du coup, bah lui, tu vas mettre ses petites bombes. Et tu vas tenter de prendre la stock en premier. Voilà, il met ses fers. Il attend tel garde, il met une très belle pression. Il retrouve le nerf. Et fait, il arrive à prendre la stock. Il a la première stock. Il est sur Togame, c'est vraiment très important. Hein. On rappelle, hein, les deux lourds sont vraiment even, à part sur 2-3 games, donc ça s'est vraiment passé à son finit. Et encore, les deux lourds revenaient toujours bien à la fin. Bah, c'est important de prendre le jeu, mais voilà. Voilà ce que je disais, c'est que Disco Dog, bah, il a inversé la situation, il a réussi à enfin prendre la stock à 180%. Et là, les deux lourds, ils ont fait changer leur phase d'avantage, leur 20% par-ci, par-là. Et du coup, ça va les emmener au 100%, et le premier qui joue. La pression qui est mise par MotoGP au sel. Enfin non, encore en heure, qui est vraiment très bonne. Hein. Permet de continuer à gratter les pourcents déjà, 74%. La backstroll le fait. Skodog qui est déjà à 10% là. Le F-team, qui va toucher, qui va ouvrir la situation de l'extrap. L'extrap est le fer qui va arriver en cette situation et le non-air qui a pas de spike. Tu vas pas. C'est rare de voir un strike, mais en fait t'as tout le strike, parce que t'as tout le strike. Bref, Nicolas qui arrive à trouver sa belle phase, il arrive à recoller un peu les pourcents. Mais ça va donner l'aile à ses filles qui va pouvoir obtenir facilement. Le backer s'est trouvé. Voilà. Mais t'as pas le victoire, il t'envoie vraiment pas loin. Et Swift c'est le très worth spot de ses filles, t'as fait un truc comme enfin la marque, bah c'est pas marque, hein, parce que marque c'est vraiment ridicule, mais si tu touches pas, bah tu gagnes pas en du coup la vie, c'est assez triste comme fait. Et non, moi qui se suicide et du coup qui perd le loot qu'il avait accumulé, mais du coup il est Disco Dog, il reste quand même à 1%, voilà, il arrive à se débacquer et du coup bah la last stock 0-0. Pas le centre, ça va être terrible jusqu'au bout. La situation, on évite le dernier fer, du coup on va plutôt prendre que 32%, ça va plus être pire. Et là, la situation de travail, qui dit que le dog est en corner. Bah, les deux joueurs, déjà, on va absolument pas faire que le game. Ça se comprend, mais les joueurs se bouffent. Ils veulent l'en dessous. Mais Disco Dog qui arrive à trouver les belles passes. Il emmène MotoGP à déjà 80%, mais MotoGP va arriver parce qu'il a plus de 2%. Le passe qui va toucher et qui va tuer cette fois-ci. Disco Dog réussit à gagner cette game. Il a gagné la partie. Vraiment très serré. Mais Disco Dog a été meilleur. Hein, il a réussi à prendre ses derniers stocks. Qui bah, donne le gagnant de ce set, hein, bien évidemment. GG à lui. Il va avancer du coup.